Salut à tous, c'est Steak du 45 et on se retrouve sur World of Stein 2 pour la suite. Donc là, on va faire la mission du gars, là, du Gunklinger Joey. Difficulté 103, je vais regarder un petit peu la difficulté. Attends, ça c'est quoi difficulté? Mais bon, je vais laisser à 2 carrés. Ouais, moi je laisse à 2 carrés. Regardez-moi, Joe Stallion. Quarterback des Springfield Firebirds. Un homme qui, il y a peu, vivait le rêve américain. J'étais à présent un esclave du Reich. C'était la fin d'une saison éprouvante. Avec mes coéquipiers de l'équipe des Untermenschen, je devais affronter l'équipe d'élite Ariane All-Star lors de l'Uber Bowl. Mon script était écrit d'avance. Ne pas marquer et me prendre des coups pour que le Reich fasse bonne impression. C'était ça, ou casser des cailloux dans les mines de charbon de Hillsboro, jusqu'à en crever. Alors on a joué le jeu, mais c'était plus un jeu. C'était un spectacle de marionnettes. Et j'en avais marre de jouer les marionnettes. Alors j'ai lancé le ballon de toutes mes forces. Arrêtez cet homme et jetez-le dans la mine de charbon! L'Uber Commander Roderick Metze. J'avais entendu des histoires à son sujet, des histoires à propos de ses années en tant que dentiste, des histoires à faire froid dans le dos. Attendez! Il pourrait encore être utile au Reich. En pièces détachées, j'entends. Bref, emmenez-le à la station de recherche Omega. Bonne nuit, le footballeur! Alors que je sombrais dans le néant, j'entendais la colère gronder au sein de la foule. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au visage de Metze. D'où est-ce que je le connaissais? Hey, toi! T'es mort? Toujours là, mon pote. Toujours là. Viens ici, l'ami. Attends, t'es Gunslinger Joe? T'avais un sacré lancer de ballon. Moi, c'est Eric, en fait. Je suis au courant pour le match. L'Uber Commander Metze a dû bien grincer des dents. Écoute, il va te tailler en pièces et... La ferme là-dedans! Viens me la fermer, crétin! Écoute, mec, une révolution a commencé en Amérique. Il faut que tu rejoignes la résistance, Joe. Aide-moi à sortir d'ici, et on ira au dernier étage de l'hôtel sur Oak Street. C'est là que se trouve la résistance. Tu pourras t'y planquer. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ça suffit! N'oublie pas, l'ami! L'hôtel sur Oak Street! Oak Street! Que ça te serve de leçon, le footballeur. Les muscles seront toujours inférieurs à la puissance du Reich. Eric ne serait pas mort en vain. Ma seule chance était de m'enfuir. Trouver la résistance à l'hôtel sur Oak Street. Il allait falloir jouer serré à présent, jouer des coudes. Cet endroit hébergeait les pires horreurs. Rentrée du journal d'un prisonnier, alors... pourquoi qu'on est ici? Le jour 3, j'avais tué... Jour 6... Je savais que je devais filer en vitesse pour pas finir comme les autres. Ah, je suis un petit peu, donc là il n'y a pas vraiment de mission. Ma vie 60 plus 25. Donc c'est pas foufou. Ah. Là ça ici commence. Ici l'Uber Commandant Metz. J'ai une demande de spécimen pour la cellule 101.
Prisonnier 398, Joseph Stallion. Escortez-le vers le laboratoire 8C. En parfaite condition, s'il vous plaît. Vous serez bien aimable. Ces bâtards de nazis, ils le paieront. Ok. Ça va bien, t'as quelque chose. Celle-là, hein? Avant que les nazis n'envahissent l'Amérique, mon père m'avait appris à tirer à la ferme. Il m'avait dit que ça pourrait me servir un jour. Et il avait raison. Eh oui, c'est la guerre. Il y a des munitions même dedans. Ensuite. Rappel à tous les prisonniers. Extinction des feux à 18h. Aucune exception. Tout manquement à la règle sera. Ouh, j'ai une grosse arme. J'entends quelqu'un à droite. Chien est mort direct. Je suis juste à ce dos, donc ils peuvent plus rien faire. Ah, il me contourne. Pas lui.
quand je l'ai vu, apparemment. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Là. Oh la vache. Je l'entendais marcher en plus. Ça y est, à côté. Wow. Oh oui. L'âge des missions. Bon sang. T'as pas eu le temps. On aura besoin de vacances après ça. S'est moqué du Reich. Voir Gunslinger Joe sous les fers, à mes pieds, immédiatement. Trouver une sortie. Ah, je crois qu'il y avait encore un capitaine. Inspecter, note de base. On va lire toutes les notes. Oula! Oh. Ah! Excuse, j'ai tué ton chien. J'ai lancé la canette. Ok, t'étais tout seul. Oula! Il m'a lancé une grenade. Bonjour! Neue Befehle zu Gefangener
attention les armes. Partout maintenant. Alors, là y a rien. Ça mis dans l'endroit. C'est quelle arme? J'ai beaucoup de munitions. Ouais, il n'y a que celle-là. Alors, faut aller où là par contre? Parce que là, il n'y a rien. Là, c'est fermé. Là, je voyais au début. Ah là, ok. Oula, sorte de robot. Bordel, bah j'ai presque plus de vie, l'autre il arrive, le mastodonte. Il y a le mastodonte qui arrive. Je sais pas, je recommence pas tout. Non, c'est bon, ok, on commence. Ok, avec les deux armes ça tient. Je vais regarder quand même une. Non, non, non. Dégage ça. Ok. Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Le
sais pas où, parce que là j'ai pas vu de. J'ai pas d'issue là. Indisponible, oui. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, plus haut. C'est où j'étais, ok. Ah, c'était... Oui, il était dans le bunker. Je me rappelle cette mission-là. C'était de nuit chaud. Je me rappelle. Alors, par contre, je suis sûr que j'ai des grenades, mais je sais même plus comment on s'en sert. Je sais plus comment on s'en sert. Ah oui, puis il faut les libérer la caisse. Mais je crois des bastons, il y en avait plein. J'avais à tuer, c'est celui de là. Lui là. Je ne voyais aucune issue. À moins que les clébards métalliques dans le hangar m'ont donné une idée un peu folle. Caché là comme dans l'autre vidéo. C'est un mec. Des antidotes. Ah, la pomme d'être d'avis. Ah, merde, c'en a encore un autre. T'es mort. Ah bah oui. C'est quand même dur, hein.
Mine de rien, c'est quand même dur. C'est celui des ceux qui ont les grosses armures qui sont durs à tuer. Ah, en plus, j'ai même pas toute ma vie. Je n'ai pas toute ma vie. Faudra que je trouve un endroit où je peux ramasser. Wegen eines Gefangenen? Glaube ich nicht. Wir reden hier von Gunslinger Joe. Hast du nicht gehört, wie sehr er diesen Kerl hasst? Stimmt. Mit. Il est même pas mort. Ah, t'as rien ici, hein. Mais bordel, dégage ton arme. J'ai entendu l'autre. Il a activé son boost. Ah, bordel, m'a fait mal. Il arrive, je l'entends, c'est la fin. Il s'est arrêté. Ouh, pas vu.
zigouiller. Ouais, non. Dégage cette arme-là. Ça se trouve, il reste que. Je voyais aucune issue. À moins que. Les clés barres métalliques dans le hangar m'ont donné une idée un peu folle. Et je crois que c'est même pas fini, je crois qu'il y a encore des zombies. Il y en a encore, ah ouais c'est vrai, j'ai oublié. What? Alors, je me dis ça tire d'où l'eau. Ah ouais c'est vrai, les ennemis ils reviennent quand t'as fait, quand t'as tout nettoyé. Du coup ils reviennent derrière. Là je dois jouer en mode facile, et encore en mode facile je perds. C'est vrai qu'il n'y a pas encore des molosses. Ah oh, si. Sinon, faudrait que j'arrive. Sinon, faudrait que je casse la caisse au plus vite. Ouais. Bah, déjà, faut que je tue déjà les deux mecs, les deux robots. Dégage. Les gars, chat! Ah là là! C'est l'heure de la promenade pour ça. Les nazis avaient peur. La ville était verrouillée. Même s'ils essayaient de contenir un barrage sur le point de s'éventrer. Vas-y, viens, approche.
c'est bon. Contourner la monstruosité des nazis contre eux avec quelque chose de poétique. Je commençais à m'attacher à ce cabot. Pendant un instant, j'aurais souhaité que ce soit un vrai. Et puis j'ai repensé aux flammes que lui et les autres ont crachées sur mon quartier. Et je me suis dit qu'il était temps qu'on se sépare. Ah, ça se fait de notre habitant qui est. Je me rapprochais de la résistance. Un havre de paix où j'allais pouvoir me reposer. Il est quand même long la mission là. Passe par où là? Ok. Ah, il y a une porte là. La vie, je suis à fond. Là, on peut pas défoncer. Attends, c'est par où? Joe, tu as failli rater ton rendez-vous. Le docteur va s'occuper de toi maintenant. Roderick Metz, espèce de salaud. Tes propres compatriotes, nom de Dieu. Comment t'as pu faire ça? Je vais t'expliquer. Mes ancêtres se sont fait humilier pendant la Révolution américaine. Je suis le fruit de cette humiliation. Quand les Allemands sont arrivés, mais j'ai su qu'ils apporteraient l'ordre et la justice pour les Blancs. Et maintenant, regarde-toi. Tu es un esclave du Reich. L'ordre a été rétabli, tout comme l'honneur de mes ancêtres. Un dernier mot avant que je scelle ton destin. Esclave. Ouais. D'où est-ce que je connais ta sale tronche de nazi? Non. Tout compte fait, je ne vais pas me salir les mains avec cet être inférieur.
Je ne vais même pas lui accorder le bénéfice du doute. Achevez-le. Soudain, tout m'est revenu. Ce regard glacial. Ce sourire en coin. Metze était le nazi qui avait emmené mon père il y a des années. Alors, déverrouiller. Alors, Gillinger Joe, volume 2. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le chapitre 1 qui dure autant, pas autant de temps. Donc il y en a 3. Donc je ferai une vidéo pour chaque volume. Donc et bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur Wolfenstein 2. J'espère que ça a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.